It is impossible for a female to be promiscuous on a long enough period of time without devaluing herself. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. C'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on va enfin pouvoir souffler et passer à autre chose et aujourd'hui, promis, on ne parlera pas de Dylan. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, alors entends-moi votre grande gueule. Depuis que j'ai commencé sur cette chaîne, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de faire des vidéos sur ces créateurs de contenu qui parlent des mâles alpha, enfin des mâles alpha. Comment un homme doit se comporter et au final, comment une femme doit se comporter. Il y a souvent les mêmes noms qui reviennent, comme par exemple Alex Kitchen. Mais plus récemment, il y a un nom qui est beaucoup revenu, c'est le youtubeur La Menace. La Menace qui fait pas mal de contenu autour de ça, comment les vrais hommes doivent se comporter, comment devenir riche, etc. etc. Et certains voient en Alex Kitchen et La Menace un contenu misogyne. Alors aujourd'hui, on va pas parler de ces deux personnes, peut-être plus tard, mais on va parler d'une personne qui les a fortement inspirés à mon avis. Si ça se trouve, c'est leur mentor, on va parler de Andrew Tate. Mais avant de partir, comme d'habitude, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et on me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à partir de 21h30. Le lien est en description. Et maintenant que tout ça est fait, c'est le moment de vous mettre à l'aise, d'aller chercher à boire, à manger, de vous mettre bien et je m'occupe du reste. Alors, qui est Andrew Tate? Eh bien, Andrew Tate, c'est un influenceur britannico-américain. Effectivement, il a les deux nationalités et il a 37 ans. Quand il a environ 20 ans, Andrew se met au kickboxing et 4 ans plus tard, il remporte son premier championnat. Il a fait quand même une très belle carrière puisqu'il a été 4 fois champion du monde de kickboxing. Et d'ailleurs, si vous tapez Enfusion TV sur YouTube, vous pouvez trouver pas mal de ses combats. Et c'est à partir de 2016 qu'il commence à devenir une célébrité en ligne. Et c'est pas forcément pour des bonnes raisons. En fait, Andrew participe à l'émission Big Brother. Yeah, the housemates are too busy being excited. They're on TV and running around acting like fools, and I'm trying to actually complete the task, which I feel has alienated me from some of the housemates. But it's a risk you have to take, you know. Alors Big Brother, c'est l'équivalent anglais de Love Story. Ici la voix. Sauf que très rapidement, il y a des tweets racistes et homophobes d'Andrew Tate qui refont surface. Ça, c'est que le début des ennuis pour Andrew dans Big Brother. The Sun, le tabloïd britannique, porte à l'attention des producteurs et de la chaîne Channel 5 une vidéo où on voit Andrew Tate frapper une femme avec sa ceinture. J'ai la vidéo, mais je vais pas vous la montrer. Juste vous montrer un screen. Dans la vidéo, on entend Andrew être très directif avec la jeune femme en lui demandant certaines choses, mais en lui demandant surtout si elle a compris le tout, accompagné de coups de ceinture sur son pare-choc arrière. Et pour avoir vu la vidéo, ça claque quand même assez fort. Mais c'est vrai qu'en fouillant, il y avait deux versions. Il y a la version du tabloïd britannique où en fait on dit que Andrew frappe une femme, donc est violent avec elle. Et il y a la défense de Andrew qui dit que c'était une vidéo coquine, c'était juste un jeu sexuel. Alors vous me connaissez, je déteste le sexe personnellement, mais j'ai fait mon travail de journaliste et je suis allé voir. Et effectivement, on entend la jeune fille rigoler, c'est un jeu. En tout cas, cette vidéo a été le dernier coup de hache qui fait tomber l'arbre. L'arbre, c'est Andrew Tate. Car oui, Big Brother l'a mis dehors. Alors pour Andrew, tout ça est monté de toutes pièces par la direction de Big Brother qui voulait l'évincer. Selon lui, la production avait peur qu'il soit violent avec ses colocataires par rapport à son passé de kickboxer. Parce que c'est vrai que dans l'émission Big Brother, il y a pas mal de disputes. Des fois, ça va un petit peu plus loin. Et quand t'as un mec qui était combattant professionnel, ça peut mal finir. Andrew a souhaité très tôt, avec son frère Tristan, devenir millionnaire. Ils y sont arrivés et ils ont une idée
particulière. Ils ont ouvert un studio de webcam avec des femmes et ils ont essayé de profiter de la misère sexuelle de certains hommes pour gagner de l'argent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a marché puisque les deux frères ont généré des millions de dollars comme ça. C'est simple, au pic de l'activité, ils avaient 75 filles qui travaillaient pour eux. La méthode était simple et diabolique. En fait, ils demandaient aux femmes, ou alors des fois ils prenaient carrément le clavier, de créer presque une histoire d'amour virtuelle. Des jolies filles nues qui te prennent par les sentiments, l'affaire est réglée et les mecs lâchaient beaucoup d'argent. Et là, on est typiquement sur une méthode d'arnaqueur. Parce que déjà, lui vient séduire des filles dans un but bien précis, celui de les exploiter. Parce qu'il faut comprendre qu'il faisait croire à certaines filles qu'ils étaient ensemble, en couple. Et au final, elles finissaient par travailler avec lui devant une webcam complètement nue. Et ça marche, parce que les filles donnaient quand même 40% de leurs gains à leur Mac moderne. Mais en plus de ça, les filles jouaient elles-mêmes la comédie pour que les hommes derrière leur écran lâchent de l'argent. Et cette arnaque, Andrew Tate ne la conteste même pas. Il assume et il en est même fier. 75 women worked for me at the peak of it all. But that was a mistake because when you have a bunch of girls working for you like that, the only way you can motivate them is with money. When I started, the girls worked for me because they loved me, right? That's the old school pimp game. So, okay, so at the peak of my webcam business, I got to the point where I would only be having sex to reward the girls who made me most money. Because. So what I did is I unplugged their keyboards and plugged a new one in. From me behind the screen. So the chicks would sit there and hit a keyboard that wasn't plugged in. And me and my brother would do all the talking. The girls were just pure, just famoosers. Just laughing and doing this, their titties out. And they were talking to fucking ice cold hustlers. We were taking their money, all of it. Andrew Tate va construire un véritable empire. Parce qu'il est malin, il a compris comment marchent les réseaux et en plus de ça, il s'exprime très bien. Quand on veut devenir riche et qu'on a quelque chose à vendre, en général, ce qu'il nous faut, c'est de la visibilité. Ça, Andrew l'a bien compris et pour avoir de la visibilité, il a décidé de dire pas mal de choses choquantes. Je vais pas toutes vous les faire parce que sinon, on en a pour une heure, mais par exemple, il a tweeté ça sur la dépression. Ce tweet sur la dépression a déclenché un torrent de réponses, dont notamment une réponse de J.K. Rowling, la romancière de Harry Potter. Ça, je peux vous dire qu'en termes de visibilité, c'est énorme. Alors, certes, vous vous en doutez, il s'est fait défoncer, mais ça reste de la visibilité. Maintenant qu'il a réussi à attirer l'attention sur lui grâce à ses propos dans les réseaux sociaux, sur les médias, Andrew va se créer un personnage. Et la cible de ce personnage, c'est les hommes. Alors c'est un petit peu paradoxal quand on sait que son business de webcam était basé sur l'escroquerie de ces mêmes hommes. Mais en tout cas, au fil du temps, déclaration après déclaration, il a réussi à les séduire. Et même plus que ça, c'est devenu un mentor pour certains. C'est devenu tout simplement la figure masculiniste. The man who works in Starbucks, who's sad all the time, you won't reply to him. Neither will any other female. So for women to come along and pretend they give a f about the fact that most men are basically invisible. 99% of the men go to the club and nobody even fucking talks to them. As they try and talk to a girl, they get blanked and ignored and told to f. I think the reason a lot of men are so depressed is because they feel invisible. They feel like the life is too hard. Women expect me to be strong and smart and funny and interesting with a nice apartment and a fast car and tall and well connected and funny and it's just too much for them to handle. And the social pressure on men is absolutely immense. And I was championing their issues. And at the same time, all these social media platforms pretend to care. As soon as somebody they resonate with stands up and champions their issues, they mass blanket ban me. Which shows they have absolutely no care for the young men of the world today. Alors si ce discours séduit côté homme, il y a des victimes collatérales, les femmes. Et une chose est sûre, Andrew n'y va pas avec le dos de la cuillère concernant la gente féminine. Men are liars because men are in constant competition with other men, and they have to find a way to be competitive, and the easiest way to be competitive is to lie. If you can sit there and convince a woman that you're rich because you bought her $100 or £100 meal, that's what you're gonna do. It's a lot easier than becoming rich. And women believe it. And as long as women are stupid enough to believe it, men are dishonest enough to lie. I think 99% of the world's problems would be solved if females walked through life with their body count on their forehead. Because it would prevent all of the disintegration of morals. It would prevent so many things about the world. And women would be like, to be with me as a man, I don't want to put another number on my forehead. You have to be a good man. They wouldn't stop f***ing these idiots and stop being idiots. And all the idiocy would disappear. All the degeneracy would disappear. Females shouldn't even want to cheat.
And the reason women can't cheat is because there's no way to ensure paternity if a female's cheating. Modern science in and of itself, just because you can now find out who the dad is, doesn't undo 5,000 years of human evolution in which a female had to be loyal to one man so we knew exactly who the father was. Et ce personnage, ça marche tellement que l'attention autour de lui est monumentale, hein, qu'elle soit négative ou positive. Adulé par certains hommes, détesté par certaines femmes, il ne laisse personne indifférent. Et ça, Andrew, il sait que quand c'est le cas, tu as gagné. Enfin, c'est gagné. Parfois, on était pas loin du carton rouge quand même. Prenons ce moment où il nous explique pourquoi il allait vivre en Roumanie. They say, why did you live in Romania? And I explain my five reasons. One of them is the Me Too era. They go, oh, well, you're a rapist. I say, no, I'm not a fucking rapist. But I like the idea of being able to just say, to do what I want. I like being free. And if you're a man living in England or Germany or America or any of the Western world right now, you've decided to live in a country where any woman, any ex, any fucking bitch who works at Greg's, who you bought a pasty from, at some point in the future can destroy your life. Now, police chief, I told him my story, and he said, well, in Romania, if she doesn't have proof of physical, if she doesn't have physical evidence, then there's no progression. If she can't say, here's a red mark, or here's where he hurt me, there's no case. This word on word. Now, so that makes a lot more sense. Ce qui est fou avec toutes ces polémiques, c'est que même si ça vient renforcer la détestation, la haine à son égard d'une partie des communautés, eh bien ça vient renforcer l'admiration de sa propre communauté. Je peux vous dire qu'il y en a, ils étaient prêts à mourir pour défendre Andrew Tate. J'exagère, mais mourir sur Twitter, vous avez compris. Si bien qu'à un moment donné, on n'est pas loin d'avoir un gourou avec ses fanatiques. Et si je vous dis cela, c'est parce que lorsqu'Andrew Tate décide de monétiser cela, grâce à un site internet et à un livre, eh bien, il décide de créer sa propre religion, entre guillemets. Il va appeler ça les 41 principes du tathéisme. Oui, il y a le christianisme, le bouddhisme, on a le tathéisme. Ouais, c'est un mec comme ça, Andrew. Il a confiance en lui. Sur son site, Andrew va t'apprendre à conquérir de nouveaux sommets. Parce qu'il a grandi fauché et qu'aujourd'hui, il est millionnaire, il va t'enseigner, si tu es méritant, si tu payes, les secrets de la création de la richesse. Et pour cela, il a mis en place une application avec plein de leçons, plein de professeurs, des professeurs tous multimillionnaires, qui vont t'apprendre à performer dans plein de domaines comme le commerce électronique, la rédaction, les actions, le freelance, l'investissement crypto, les affaires et les finances, le marketing, la création de contenu, bref, un truc ultra complet. Et tout ça pour la modique somme de $50 par mois. En vrai, $50 par mois pour devenir millionnaire, vachement rentable. Bon, le truc déjà important, c'est que Andrew ne fait pas du tout partie des professeurs. Dommage, quand on sait que c'est le meilleur. Mais d'un autre côté, tu vas passer de 0 à $10,000 par mois très rapidement. I decided if I truly want to live outside of the Matrix, although I have entities all around the world, all those entities still to a degree exist within different matrices, different areas of the Matrix, different jurisdictions, I need my own bank. My own bank, I could do my own processing. They thought they won. But all they did was accelerate my plans. I'm now in a position where I can tell people things I could never tell them before. I can teach people things I could never previously teach. I've built an online educational platform that teaches 19, not 18, because we've added one now that we are free from the Matrix, 19 modern wealth creation methods. And I've done this specifically so the people who believe in Tate can make more money than ever before. I need my team well-funded. And on November 14th, I'll be opening a portal, a mass portal, that will allow a large-scale exodus for anyone who is still inside of the Matrix to escape outside to the real world. Alors quand Andrew il te parle de la matrice, il te parle du monde dans lequel on vit. Lui, ce qu'il veut t'enseigner, c'est l'indépendance financière. Le problème, c'est que dans la formation sur son site, eh bien, il y a des business en lien avec Amazon. Donc c'est un petit peu bizarre de parler d'indépendance financière alors que un des business enseignés dépend d'Amazon. Et pour le coup, Amazon, on est en plein dans la matrice là. I think it's, to some extent he's made a lot of money by making the thing that he makes money on not the thing he gets so much pushback online for and what he's also loved for. So people will push back for his misogyny, but the real way he's making money is just like basic get rich quick schemes that are super obvious to spot, but everyone's distracted by like, oh, he said some crazy stuff about women. Behind the paywall, it's nothing of substance. You're not gonna learn to get rich by escaping the Matrix and going to work for Jeff Bezos. Fulfillment by Amazon is not escaping the Matrix, right? Like that's not the way to hustle to the top. It's literally
a field of making money that everyone in the world has access to. Bien évidemment que les formations d'Andrew Tate sont de la fumisterie. Alors, d'après certains retours, elles sont pas spécialement de qualité, mais c'est surtout que aucune formation ne peut vous garantir du résultat. Et ça, ils ne le disent pas, et surtout, ils sous-entendent que c'est facile d'avoir des résultats. Et ça, les formations en ligne, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Par contre, ce qui est très fort, c'est que même si les personnes qui souscrivent à cette offre de formation sont déçues, ils resteront sûrement fans de Andrew Tate parce qu'il est très charismatique pour eux. La piètre qualité des formations ne viendra pas ternir l'image de Andrew Tate. Une image toujours façonnée au scalpel entre propos choc. You must have a mental disorder to be putting a mask on. Go it on, is impossible Sadie. For a female to be promiscuous on a long enough period of time without devaluing herself. And I get called a pimp a lot, but the reason I use the term is because I don't see it as a negative term. I see it as positively inspirational and motivating person. Et intervention lunaire. So if you're sitting there at a table and your friend won't drink sparkling water, he's not your friend. Because when shit hits the fan and you get jumped and you're getting stabbed by 10 randoms, he ain't jumping in front of knives to save your ass like a good friend should if he's scared of fucking bubbles in his water. Anyone who drinks still water is excommunicated permanently. Moi qui déteste l'eau pétillante, je serai jamais dans la communauté des mal-alpha. Chienne de vie. Alors, je parlais de la piètre qualité de ses formations, mais bon, c'est une véritable réussite. C'est-à-dire qu'à son prime, il y avait plus de 130 000 utilisateurs, 130 000 souscripteurs. Donc je vous laisse faire 130 000 multiplié par 50 chaque mois. On a plus de 6 millions de dollars par mois. Ça va, il peut payer son loyer et remplir le frigo. En fait, son site s'est rempli de red flags. Mais la vraie particularité, c'est qu'en fait, il n'a rien à vendre. Et tout ce qu'il vient faire en termes de propos, de déclarations, etc., c'est pour alimenter sa propre image. Ça va lui permettre de monétiser tous les projets qu'il va entreprendre. Parce qu'à ce niveau-là, Andrew Tate lance un shampoing alors qu'il n'a pas de cheveux. Bah, le shampoing va faire un carton. Mais c'est pas le shampoing le produit. C'est Andrew Tate qui sort un shampoing. Andrew Tate sort un aérosol pour chasser les mauvais esprits. Carton. En fait, c'est pour cela que Andrew Tate est devenu un exemple de personal branding. Et d'ailleurs, le personal branding, je vous en avais parlé dans la vidéo sur Oussama Ammar. Bon, c'est pas le seul à utiliser ça, hein. On peut prendre également Yomi Denzel, mais il y en a plein d'autres. Dans le cas d'Oussama Ammar, de Gérard Fauré, enfin, tous ces mecs-là, on n'est pas vraiment sur des propos chocs, mais on va être sur des histoires améliorées, enjolivées, certaines complètement inventées. Et tout ça va venir servir quoi? Leur image à eux. L'intérêt que les gens vont avoir pour leur image va créer du trafic, et dans le monde dans lequel on vit, le trafic, c'est de l'argent. Ça, pour ça, Andrew Tate, c'est le boss final du jeu. He is showing up on my feed non-fucking-stop. Dude. I'm not clicking on it, it's just next video is him. In that accent, which I don't know what the fuck country has. Breathe air. You don't need a vape. Don't like sparkling water, you don't like water. With the bubbles. The kickboxer has gained their basically everything's escalating from ugly. My unmatched perspicacity, coupled with sheer indefatigability, makes me a feared opponent in any realm of human endeavor. Le seul truc qui pourrait éventuellement le ralentir, c'est si il n'a plus du tout de réseaux sociaux. Après nombre de tweets, comme par exemple sur l'affaire Weinstein, des tweets disant par exemple que les victimes d'agressions sexuelles ont leur part de responsabilité, ou encore, comme je vous ai montré tout à l'heure, que la dépression n'est pas réelle, eh bien Andrew Tate a vu ses 3 comptes Twitter bannis. Un an plus tard, Facebook et Instagram, donc le groupe Meta, vont suivre et bannir ses comptes, puis viendra la plateforme chinoise TikTok, où le hashtag Andrew Tate a été vu plus de 13 milliards de fois, et bien la plateforme chinoise supprimera le compte TikTok de Andrew Tate, parce que selon eux, son contenu attaque, menace ou incite à la violence. Et peu de temps après, c'est la plateforme américaine YouTube qui va supprimer la chaîne de Andrew Tate à cause de propos haineux et d'informations erronées sur le Covid-19. Et à la fin de tout cela, suppression de la chaîne Twitch, mais là, c'est lui qui va la supprimer. La suppression de tous les réseaux aurait pu marquer un coup d'arrêt dans la carrière de Andrew Tate, mais c'est pas exactement ce qui va se passer. Je vous ai parlé très souvent de l'effet Streisand, et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que si lui ne peut pas poster son propre contenu, il va quand même participer à des podcasts, à des interviews, et vu le buzz qu'il y a autour de lui, eh bien tout ça va tourner énormément sur les plateformes où lui-même est banni. Si vous étiez 35, vous ne seriez pas fat. 21, oui, vous êtes fat. Vous êtes out of shape pour un 21-year-old. Pourquoi vous drinkez ça, bro, on the street? Right here in front of everyone. What is that? Some soy caramel double sugared up. It literally is. It's soy milk and shit. Bruv, where's the e-slap? Wait, you don't like coffee? I like coffee, yeah, the same way I like it
like I am, like brown, hot, and strong. Yeah. What are this fucking old Starbucks, bro? What are you doing to yourself? It's poison. That shit's got more calories than a meal. Et là, il est pas n'importe où. Hein. Il est chez Adin Ross, qui a 6 millions d'abonnés sur Twitch. Rien que ça. Et ce qui est très fort chez lui, c'est que à chaque fois qu'il est invité dans un podcast ou dans une interview, il arrive à transformer tout ça et à passer d'invité à star. C'est simple, à chaque fois, soit il broie son intervenant, soit il arrive à le soumettre. Et même quand c'est une femme qui est très critique envers lui, il arrive à lui faire avoir une certaine forme de respect. He's egotistical. He has a delusional mindset on women and he thinks he's a bit too nice. However, I feel like he did have a good conversation. He is a man that knows what he wants. He get, obviously gets what he wants, so you can't knock it. Il y a quand même une fois où il s'est un petit peu fait sécher, mais ça va. Il a pas trop mal répondu. Enfin, il a fait du Tate. Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled. Thank you. Rajoutons à ça l'effet martyr, hein, le fait que tous ces comptes aient été supprimés, ça rajoute un petit peu de crédit à ses propos, parce que même s'il dit n'importe quoi à plein de moments, il y a des gens qui vont dire, bah attendez, s'il est banni, c'est qu'il dérange, donc il dit des vérités. Virtually every tech company on the planet banned him, not just his presence, but also his ability to conduct business on the internet. He was taken off Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, all of it. Then they started telling you that not only was he not allowed to talk, but that you weren't allowed to like him because he was an incredibly bad person. And our view on that always is we'll decide for ourselves. Il faudra attendre le rachat de Twitter par Elon Musk pour revoir un compte appartenant à Andrew Tate. Un mois après la création de ce nouveau compte Twitter, il y a une gigasauce qui arrive pour Andrew. Et là, c'est vraiment une gigasauce. Pas si vous vous souvenez de ses propos tout à l'heure sur la Roumanie. Il laissait sous-entendre que pour être arrêté en Roumanie, il fallait y aller. Ben, il y est allé. Andrew Tate a été arrêté en Roumanie pour traite des êtres humains. L'ancien kickboxer devenu influenceur aux positions très misogynes est visé par une enquête en Roumanie depuis avril dernier. Il est accusé avec son frère d'avoir créé une bande organisée dans le but de recruter, loger et exploiter des femmes en les forçant à créer des contenus pornographiques pour des sites spécialisés. Les procureurs en charge de l'enquête ont décidé de l'arrêter après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux confirmant sa présence en Roumanie. Et cela pourrait être dû à Greta Thunberg. Le 27 décembre, Andrew Tate avait interpellé Greta Thunberg sur Twitter en se vantant d'avoir 33 voitures. La militante écologiste lui a répondu en lui transmettant une adresse mail smalldickenergy@getalife.com que l'on peut traduire par énergie de petite bite @achète-toi-une-vie.com. Visiblement, ça a piqué l'ego d'Andrew Tate qui a surenchéri avec une vidéo de lui et c'est ça qui aurait aidé la police roumaine. On aperçoit dans la vidéo des boîtes de pizza avec imprimé dessus le logo du restaurant roumain où elles ont été achetées. Cette théorie, qui n'a pas été confirmée par les enquêteurs, est fortement relayée sur les réseaux sociaux. En tout cas, Greta Thunberg a eu un dernier mot pour Andrew Tate après l'annonce de son arrestation. Voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses boîtes de pizza. Après 3 mois de prison, Andrew Tate est sorti, mais il est assigné à résidence. I truly believe that justice will be served in the end. There is 0% chance of me being found guilty of something I have not done. When I was in jail, I did 7,417 push-ups. I would like to get to 10,000 before the end of the weekend. Voici donc l'histoire de Andrew Tate, un mastodonte des réseaux sociaux, un mec qui manie à la perfection le personal branding, une personne qui a su utiliser à la perfection tous les outils pour créer de l'attention, qu'elle soit négative
positives à son égard. On pense évidemment aux tweets déplacés, aux propos chocs, aux interviews lunaires. Il maîtrise son domaine et sait comment faire parler de lui. Et une fois qu'on parle de lui, son talent, sa prestance, sa manière de parler, on le reste. Et d'ailleurs, il est tellement sûr de lui et il s'exprime tellement bien qu'on en oublie presque la gravité de certains de ses propos. Bon, par contre, ce qu'on n'oublie pas, c'est que toutes ses formations, c'est complètement de la merde. Enfin, on n'oublie pas, mais il générait quand même 6 millions de dollars par mois grâce à ça. En tout cas, maintenant que vous le connaissez, je suis sûr que vous avez des exemples français en tête qui ont tout fait pour lui ressembler. Enfin, pour lui ressembler, je sais pas, mais qui se sont inspirés de ses méthodes pour gravir les échelons. D'ailleurs, si vous avez des exemples, mettez-le moi en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de terminer, je vais vous montrer un extrait où Oussama Ammar et Yomi Denzel donnent leur avis sur Andrew Tate. Et j'ai l'impression que Yomi aime bien Andrew Tate. Moi, j'ai la vérité. Moi, Andrew Tate, je sais tout sur tout. Je suis plus malin que les autres. Je suis plus intelligent que les autres. Mais mec, mais ta gueule. C'est évident que t'es un gouffre, un trou noir de confiance en toi. Ce mec, il a un trou noir ici et toute sa confiance, toute sa peine, toute sa haine, tout son rejet des autres, et il gouffre. Et c'est jamais assez. C'est jamais assez. Non, alors, je suis peut-être d'accord avec toi sur le fait qu'il doit, avoir un narcissisme maladif qui le pousse, mais souvent, les motivations les plus sombres te permettent d'avoir les plus grands résultats. Je te parle pas de son résultat, j'adore son résultat. Je passe mon temps à donner comme exemple de marketing en ligne réussi. J'ai pas, c'est pas parce que c'est un connard que je serais incapable de reconnaître son talent. Ouais. Et c'est un connard méga talentueux, il y en a beaucoup. Je veux dire, dans les connards, quand t'es talentueux, ça donne des trucs incroyables. Ouais. Mais il faut rappeler les choses. Comme tu disais, moi, je respecte le courage et la gentillesse. Ce mec n'a ni courage ni gentillesse. Et vraiment, je trouve que tout dans son attitude, dans sa façon de faire les choses, me donne une alerte de « Oh putain, ce mec, il va pas bien. » Et il est en train de mettre sa névrose sur notre gueule à tous. Je pense qu'il va pas bien. Je pense qu'il le dit, hein, qu'il a vécu une vie difficile. Il est même très parano, le mec, si tu l'analyses. Donc je pense qu'il est vraiment... Clairement, ouais, une espèce d'obsession, un narcissisme, il a l'air très manipulateur. Donc je pense qu'il y a clairement du mauvais. Mais après, moi, franchement, il y a des points où... Non, mais déjà, encore une fois, L'aisance orale est incroyable, du jamais vu. Il a accompli quand même beaucoup de choses dans sa vie. Il a une manière de parler, il dit des choses très vraies. Non, mais il réagit. Je trouve qu'il est admirable sur beaucoup de points. Je suis pas d'accord avec lui sur d'autres. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est pas. Je reconnais tout ça. J'ai aucun mal à le reconnaître. Ouais. Mon point, c'est où est la ligne de ce qui est franchissable et infranchissable. C'est un principe qui s'appelle le principe de Popper. Il faut jamais donner aux ennemis de la démocratie les outils de la démocratie. Jamais donner aux ennemis de la liberté les outils de la liberté. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.